Et maintenant, tu vas écrire une petite lettre adressée à la presse en général, en déclarant que t'as menti sur mon compte, pour te venger de ne pas avoir pu me faire parler. Cette année, le festival Premier Plan a choisi de mettre à l'honneur les films du réalisateur Jean-Pierre Melville. Et surprise, pour lancer la rétrospective, ce sera l'un de ses acteurs qui viendra présenter le Cercle Rouge. J'ai nommé Alain Delon. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuez. Une très bonne nouvelle pour nous tous, c'est effectivement d'accueillir Alain Delon à Angers et pour présenter l'hommage à Jean-Pierre Melville. C'est un acteur emblématique de Jean-Pierre Melville. C'est peut-être lui qui porte le plus fort l'image de Melville. D'ailleurs, cette affiche qui nous environne pendant le festival est une affiche qui est, je crois, reconnaissable comme étant à la fois du pur Melville et du pur Delon. Et donc, je pense que c'était important qu'il puisse être parmi nous. Ce n'était pas évident, évidemment, et on est très heureux qu'il ait accepté. Nouveauté cette année, le festival a créé une catégorie réservée aux meilleurs premiers films français. Pour vous donner une idée, en 2008, la France a produit 74 premiers films. Voilà. Alors, à l'arrivée sur 10 films, avoir un film français ou deux, c'est un peu injuste par rapport à la profusion quand même des films qui nous sont offerts. Donc cette année, on a décidé de faire plus, d'enrichir un petit peu cette sélection en faisant cette compétition de films français qui sont de toute façon soumis aux mêmes règles que les autres. Hein. C'est le même jury, le même public et les mêmes prix à l'arrivée. Pour finir, voici un extrait de la bande-annonce du festival. Elle a été tournée au Théâtre Le Quai à Angers. Vous pouvez d'ores et déjà préparer vos agendas. Le festival Premier Plan, c'est dans une semaine.